Hey, salut tout le monde, c'est Titou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui sont au courant, la série Celebration de Pokémon spéciale pour les 25 ans est sortie il n'y a pas très longtemps dans les magasins. Et du coup, il y a forcément des gens qui sont allés acheter des trucs. Mais, étant donné que moi je me suis mis à vendre des trucs pour gagner un peu d'argent, c'est-à-dire des livres Minecraft que j'ai jamais touchés, j'ai pu, grâce à l'argent et en plus grâce à la remise en courrier, parce que voilà, il y a quelqu'un que je connais qui travaille là-bas, j'ai pu me procurer ceci, ma première ETB qu'on va ouvrir aujourd'hui en vidéo. Franchement, je suis trop content de pouvoir faire cette vidéo, surtout d'ouvrir une ETB comme ça. Et regardez-moi ça, coffret Dresseur d'élite Celebration des 25 ans. Et du coup, ouais, on va un peu découvrir ce qu'il y a dedans et ça va être cool comme ouverture. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je tiens à préciser que là, je m'engage à essayer de faire un master set avec les cartes Celebration. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que 50. Donc franchement, c'est possible parce que, d'ailleurs, une info en exclusivité, ils se sont foirés un truc et apparemment, dans les valisettes qui sont pas encore sorties, il y a pas mal de cartes rares. Donc vous savez bien qu'après, je vais acheter des valisettes. Mais bon, je vais peut-être essayer d'acheter d'autres petits coffrets. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo Celebration va vous plaire. Ça, c'est parce que justement, je me suis mis à vendre des trucs que j'utilisais plus. Et du coup, je peux vous proposer cette vidéo Pokémon. Donc du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et comme vous l'avez vu, c'est de retour sur ma chaîne principale. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Et sur ce, on est parti. On va ouvrir ce petit coffret. Si j'y arrive, ou sinon, on appelle les SOS. Ok, donc c'est parti. Voilà, là, je viens de faire une petite ouverture. Et puis voilà, on peut déballer ce petit coffret Celebration. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et normalement, comment on l'ouvre? Normalement, c'est... Ah non, c'est vrai, c'est comme ceci. Voilà. Et du coup... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc déjà, on a un petit guide, je crois, qui montre toutes les cartes. Donc comme je vous dis, il pourra apprendre à jouer, mais sinon, ça montre toutes les cartes. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Là, c'est toutes les cartes qu'on peut avoir de Celebration. Donc alors, oh là là, le Pikachu Full Art remasterisé. Enfin, l'ancien Pikachu en Full Art. Je pense qu'on va la voir. Après, voilà, comme vous voyez, il y a plein de cartes comme ça. Ensuite, tiens, les cartes remasterisées. Hey. Tu le vois celui-là, là? Ça. Tu le vois celui-là? Tu le vois? Et ensuite, on a justement des petites cartes. Ouais, X, GX. Bref, on a plein de trucs intéressants. Donc, du coup, le petit guide, on va le mettre là. Alors, l'emballage, on va juste le mettre là parce que je vais m'en servir encore. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, c'est tellement bien d'ouvrir ce genre de truc. Je le fais délicatement. Parce que voilà. Ici, on a encore un petit guide pour jouer au jeu de cartes à collectionner. Mais moi, je joue pas au jeu de cartes. Ensuite, nous avons des séparateurs de deck au nombre de 4, je crois. Donc ça, c'est encore une fois pour vos parties en ligne. Sauf que moi, je ne fais pas de parties en ligne. Donc voilà. Ensuite, nous avons... Ah, ça va m'être utile. Les pochettes anniversaire 25 ans. Donc en gros, c'est des sleeves. Cartes de 25 ans. Et normalement, tu peux les mettre si ça rentre avec celle-là. C'est-à-dire que tu peux faire une protection VIP. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. Ensuite, nous avons un paquet d'énergie. Bon, celui-là, je pense que je vais pas l'ouvrir parce que voilà. Parce qu'il y a que des cartes énergie dedans. Ensuite, nous avons des petits, je sais même pas ce que c'est. Mais ça, c'est pour le jeu de cartes. Des dés pour le jeu de cartes. Ensuite, nous avons une petite carte promotionnelle Amphinobi Obscure. Regardez-moi comme elle est belle. On va l'ouvrir juste là. Ensuite, un petit code pour vous. Voilà. Et puis, voilà. Là, on a les boosters, bien évidemment. Nous avons les boosters. Donc, normalement. Oh! Attendez. C'est deux reines de glace et trois styles de combat. Oh non! Trop déçu. Non, parce que. Attendez, attendez. Là, il y a l'emballage. Normalement, regardez. Sur le dos, si vous voyez, genre là. Normalement, t'es censé avoir un reine de glace, un style de combat, voltage éclatant et deux ténèbres embrasées. Sauf que là, j'ai deux reines de glace et trois styles de combat. Bon, après, peut-être que ça varie selon les ETB. Peut-être que justement, j'ai eu ça, mais je crois que normalement, je suis pas censé avoir des boosters comme ça. Bon, après, j'en ai toujours au nombre de 5. Et aussi, normalement, c'est là où on va être bien. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters Celebration. Et ça, pour vous dire, ça va être la bombe. Bon, par contre, les boosters Celebration, comme vous voyez, ça prend que 4 cartes. C'est-à-dire, il n'y a que 4 cartes dans les boosters. Et puis voilà, c'est tout dans cette petite ETB. Et du coup, on va ouvrir cette petite carte. On va essayer de pas trop l'abîmer en ouvrant, hein, parce que bon, moi, je suis pas très,
Pas très distinct. Ah ouais, voilà. Là, si j'arrive à l'ouvrir. Sinon, on va essayer de découper. Donc, voilà. Bien au-dessus. Normalement, voilà, c'est ouvert. On peut libérer cette carte. Parce que ça, c'est une petite carte promo qu'on va directement mettre dans une petite sleeve que j'ai mis. Ben, je sais pas où. Hein. Et normalement, on va pouvoir faire des traitements VIP. Non, je suis en train d'appuyer. Ah! Est-ce que tu peux sortir là? Peut-être, frérot. Regardez-moi comme elle est belle. Carte en finobie brillante comme ça. Alors, je ne pose pas cette carte tant que je ne l'ai pas mise dans une sleeve. Donc cette fois, les sleeves, on va la mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Te voilà protégé. Et normalement, si on ouvre, ben justement, les paquets de petites protections qu'on a eu pour les 25 ans, normalement, je dis pas de conneries, on est censé pouvoir mettre justement la carte qui est aussi dans cette sleeve-là dans une autre sleeve si j'ai les bonnes. Oh non, j'ai pas les bonnes. Ça veut dire, non, c'est quoi? Fuck. Fuck it. Tu vas dans la petite pochette des Celebrations. Voilà. Et puis voilà, nous avons une petite carte protégée comme ça. Avec le petit dos, voilà, des protections. Oh là là, c'est tellement stylé. Bon, du coup, vous avez compris, ce genre de protection, je vais l'utiliser pour les cartes Célébration et après les autres sleeves, justement. C'est pour les cartes normales. Donc du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer à ouvrir les petits boosters Célébration. Hein, parce que c'est pour ça qu'on est là, tu vois. C'est pour ça, pour commencer un petit master set. Parce que oui, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un... Donc alors, hein, le truc c'est que les cartes sont toutes brillantes. Donc je pense qu'il y en a que je vais pas mettre dans peut-être des protections. Donc alors, on a Xerneas, Yveltal, Elector de Rocket. Oh là là, ça c'est les cartes de base set. Et puis Lunala. Donc alors, ce genre de carte. Ah oui, une petite carte à code comme ceci. Alors ce genre de carte là, par contre elles sont un petit peu pliées. Bon, pardon. Ce genre de carte, alors là ça va direct dans les petites sleeves. Attendez. Ça va direct dans les petites sleeves là. Là il est hors de question que je laisse ce genre de carte sans sleeve. Voilà. Et les autres peut-être que je les mets mais pas les Célébrations. Voilà. Voilà le petit Elector de Rocket qui va juste là. Et puis on enchaîne avec le deuxième boost. Oups, excusez-moi. Je viens de faire un petit coup à la caméra. Voilà. Donc voilà. Ce genre de carton, on va les laisser là. Hop. C'est dur à ouvrir ce genre de truc par contre. Dur à ouvrir. Voilà. Oh, il y a un petit Lugia. On commence avec un petit Lugia. Nous avons Palkia. Oh, Pikachu d'anniversaire. Oh, ça c'est une belle carte. Et Pikachu volant V. Oh là 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 là. Ça y est, ça commence. Les super cartes, c'est quoi, je vais les mettre dans un bout de plastique après. On fera tout à la fin. Mais ouais. Allez, vas-y, régale-nous. Par contre, j'espère que vous m'entendez pas trop fort. En fait, je me suis fait un putain de setup là. Ouais. Je me suis fait un setup de malade quoi. Et du coup, ouais, je suis un petit peu proche du micro. Ah, là on a je crois ouf. Excusez-moi. Ça va les cartes moriens? Non, c'est bon. Donc nous avons Reshiram, Palkia encore une fois, Zekrom et puis Lunala encore une fois. Ouais, donc pas de chance pour celui-là. Parce que ouais, le truc c'est que vu qu'il y en a 50, tu vas avoir très souvent des cartes en double. Tu vas très souvent avoir des cartes en double. Donc allez, c'est parti. Mais en fait, ils veulent jamais s'ouvrir les boosters. Est-ce que ça veut dire que j'ai un truc de bon? J'ai peut-être un truc de bon, c'est pour ça. Non, là, excusez-moi. Là, j'ai un peu d'être très proche du micro. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu un peu fort, là. Voilà. Ah, Xerneas. Alors, nous avons Xerneas. Oh, oh. Zekrom. Et puis... Oh! Yes! Oh là là, Mew en gold. Putain. Oh là 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 là. Alors là. On commence très bien. On commence très bien le truc Célébration. Moi, je vous le dis, les gars. On commence très bien. Manquerait juste à avoir un seul Pokémon, tu vois. Moi, j'aimerais... Mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un Pokémon base. Donc, c'est-à-dire des trois évolutions, là. En gros, soit Florizarre, soit Dracaufeu, soit truc, là. Oh, oh. Lugia. Elector de Rocket, encore une fois. Et Lunala, encore une fois. Et du coup, le petit code. Voilà, comme ceci. Allez, on enchaîne. On est déjà au cinquième booster. Ah non, au sixième booster. Non, on a déjà fait la moitié.
Sniff. On a déjà fait la moitié. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, parce que bon, là c'est toujours le même truc depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, essayer d'ouvrir le putain de booster. C'est-à-dire, voilà. On ouvre. Celui-là comme ça. Je vais essayer de me rapprocher parce que c'est vrai que je suis pas très très proche en fait. Parce que en fait, avec mon setup, c'est un peu compliqué. Encore un Yveltal. Alors, Yveltal pour la, je sais pas combien de fois. Alors, le focus, voilà. Nous avons Reshiram. Kyogre, ouais. Et recherche professorale. Yes, 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 yes. Et puis, le petit code pour vous. On enchaîne avec le prochain petit booster de célébration. Voilà. Allez, vas-y. Donne-moi un truc de bon. Donne-moi un truc de bon, s'il te plaît. Donc, alors, nous avons Cosmog. Donc, ça, on l'a pas, je crois. Logia, on a pour la super... Tortank! Yes! Tortank, yes! Et... Oh, je suis tellement content, s'il te plaît, regardez-moi ça! Regardez-moi ça, les deux belles cartes qu'on a juste là! Qui vont aller dans un bout de plastique après! Et voilà le code pour vous, mes amis! Mes amis! Allez, c'est parti pour le prochain booster! Mais là, on se régale direct, hein! On se régale. Par contre, je vais pas faire de résumé, hein, parce que comme ça, personne ne verra la fin de la vidéo. Oh, et comme ça, tout le monde est obligé de regarder la vidéo en entier quand je galère. Voilà. Ah, bon, là, on a ouvert les cartes à l'envers. Enfin, c'est quoi ? On va faire une petite ouverture à l'envers, comme ça. On va faire cette ouverture à l'envers des cartes. Donc, du coup, je ne sais pas quelle carte. Salut le chat, parce qu'il y a un petit chat à mes pieds. Donc alors, on commence par le petit code pour vous. La première carte, nous avons Reshiram. La deuxième carte, nous avons Palkia. Est-ce que je l'ai déjà eu? Oui, je crois. Je crois que je l'ai déjà eu, attendez. Oui, sûrement dans ce cas. Ensuite, on va prendre celle-là d'abord. Qui est? Oh, Zacian V. Oh là là, ça c'est une bonne carte. Et attention. Est-ce qu'on va avoir une carte du base set? Non, il s'agit de Rekram. C'est quoi? On va faire des ouvertures comme ça. Et comme ça, je prends la troisième en dernier. Parce que la troisième, là, comme je vous dis, c'est normalement celle du de la première génération remasterisée. Enfin, normalement, c'est une carte de la première génération. Donc, on enchaîne avec l'avant-dernier booster déjà. Oh non. Alors, le petit code pour vous. Donc, nous avons Reshiram. Palkia. Attendez, vous voyez mal les cartes. Ensuite, la suivante qui est Pikachu Surfer VMAX. Oui, c'est ça qu'on veut. Et la dernière, attention, on a quoi? On a... Oh! Faux prochain Professeur Chen. Oh là là, elle est tellement belle cette carte. Et attention, le dernier booster malheureusement de célébration pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Parce que je vous dis quand il y a les... Bon, cette fois, on va faire comme ça. Voilà. Donc, nous avons un Groudon. Le Gia. Reshiram, et puis Pikachu volant VMAX. C'est ça qu'on veut. Et voilà, on est tellement bien régalé. Regardez avec cette ouverture de célébration. Je vais toutes les mettre dans un bout de plastique. Ne bougez pas, je reviens. Donc voilà toutes les cartes dans un petit bout de plastique. Donc nous avons le Pikachu volant, le Pikachu anniversaire, Miogol, oh là là, celle-là, elle est tellement bien. Ensuite nous avons le petit Pikachu. Nous avons Zacian V. Nous avons Tortank, celle-là aussi magnifique. Nous avons Faux Professeur Chen, Pikachu Surfer VMAX, Pikachu Volant VMAX, Électeur de Roquette, et puis la fameuse carte promo Amphinobi. Et puis voilà, c'est tout pour les célébrations. Mais il nous reste ça, hein, vous n'avez pas oublié. Il nous reste ça, donc alors, on va mélanger un peu les boosters. Donc voilà, là je ferme les yeux, donc si je fais de la merde, c'est logique parce que je ne vois pas justement... Parce que je ferme les yeux et puis voilà, on va faire cet ordre-là. Donc c'est quoi? Reine de glace, style de combat. Ouais, on est d'accord. Du coup, on va enchaîner directement avec ce booster Reine de glace. Donc du coup, c'est parti. Voilà. Donc je sais pas si on va avoir des trucs de bon dans cette petite boîte ou pas. Donc le petit code pour vous. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Parce que là, il faut faire le code. On commence par l'énergie qui est Fire. Nous avons Saturnin, l'énergie, Sophora, Pyronie, Watt, Scarino, Poulpaf,
Farfaré, excusez-moi pour le flou. Nous avons Sophora en reverse. Attention, est-ce qu'on va avoir une ultra? Non, c'est une holo, mais c'est Gresselia. Et je crois que je vais passer là. Sauf que je m'en fiche de celle-là parce que justement, je vais pas faire de Master 7 en fait pour ça. Par contre, en vrai, style de combat, j'aimerais bien faire un 7. Parce que je vous explique pourquoi. Déjà, c'est la série qui a le moins de cartes. Donc déjà pour commencer, c'est plutôt facile justement de prendre ce genre de truc. Et aussi, j'ai ouvert beaucoup plus de boosters de style de combat que les autres dans ma vie. Donc du coup, c'est un peu logique que j'essaye de faire un master set de style de combat. Mais en vrai, j'ai essayé. Je pense de faire un set style de combat. Donc du coup, je vais bien les garder ce genre de cartes. Et du coup, il va falloir que je le fasse, mais je vais vous montrer après du coup que je fasse mon master set parce que c'est vrai que là, les cartes sont un peu mélangées de partout, donc du coup, il faut que, ouais, faut que je refasse mon master set. Hein. Parce que là, ça va pas du tout. Donc alors, nous avons le petit code pour vous, les amis. Pourquoi je mets ce code là alors que je peux le mettre là-bas? Bon, je sais pas. 1, 2, 3, 4. Nous avons l'énergie feu. Oh, énergie feu, hein. Donc là, alors, Cléodome, Grotichon, niveau bol, Charby, Viscuse, Psytigri, Larvadar, nous avons Dunaja, excusez-moi, niveau bol et Fulgudog, pardon. Oula, j'ai du mal à vous dire. J'ai du mal. Mais ouais, Fulgudog. Alors, on va enchaîner avec le dernier règne de glace. Franchement, bon, de toute façon, je sais qu'il y a des experts qui regarderont cette vidéo. Je sais pas si c'est normal que j'ai chopé justement deux règnes de glace et trois styles de combat en booster classique, si je peux dire ça comme ça. Parce que comme je vous ai dit, je crois que normalement, t'étais censé avoir un règne de glace, un style de combat, un voltage éclatant et puis deux ténèbres embrasées. Qu'est-ce que tu fais le chat? Tu me regardes galérer pour ouvrir les boosters? Ah oui, je sais. C'est marrant de se foutre de ma gueule, hein. T'auras pas de pâté et pas de poulet à midi, hein. Parce que moi j'ai du poulet et oui des chats. Donc toi t'en auras pas. Voilà. Alors nous avons le code. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. 4 cartes. Voilà. Et puis nous commençons avec l'énergie mauve. Gant infinu. Crabominable. Énergie spirale. Poupaf. Farfuré. Wistampo. Aspico. Carnatiche Galar. Pyrobut. Et Pharamp. Toujours pas de bonne carte, hein. Toujours pas, non. Et du coup, les cartes qui vont peut-être finir dans mon set, comme je vous ai dit, elles sont ici. Oh putain, on n'aura rien de bon parce que vu comment j'ai ouvert le booster, vu comment j'ai réussi à ouvrir le booster, c'est qu'on n'aura rien de bon. Donc, ouais. Parce que justement, vous avez vu comme c'était super facile. Énergie électrique, Morpeko, bloqueur d'outils. Je crois que je l'ai pas. Oh, Dentikris, je crois que je l'ai pas non plus. Ça, je l'ai. Excellent que je l'ai, Ferro 5 je l'ai, Hippotrampe je crois, Miss Bidule je crois, Nocerator Reverse, ah je crois que je l'ai pas, mais de toute façon je verrai, parce que je vais le faire après mon set. Et Hippora, oh ça je crois que je l'ai pas par contre, je crois que je l'ai pas, il me semble. Mais du coup, ouais, de toute façon je vais vous montrer après. Et du coup on enchaîne avec le dernier booster, par contre aucune ultra, mais bon, j'ai envie de dire, on est un peu consolé parce que justement, avec tout ce qu'on a eu depuis le début, hein, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Donc du coup, 4 cartes, l'énergie mauve, allez, tour de l'eau, concentration qu'on est rien, chaffreux, onyx, piafabec, grippat, lixi, cacnéa, nous avons viscuse, est-ce qu'on va avoir une ultra? Adios. Laissez-moi vous présenter mon petit cartable pour faire mon set de style de combat, donc voilà. Il y a pas mal de pages comme vous voyez là-dedans. Donc pour l'instant, c'est vide parce que je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire juste comme ça. Parce que le truc, c'est que vu que j'avais au début mis les cartes en vrac dans n'importe quel classeur, j'avais pas prévu vraiment de faire un set au départ. Sauf que là, vu que j'ai la possibilité, je vais pouvoir en faire un. Donc du coup, je vous retrouve juste après quand j'aurai retrouvé les cartes et que j'aurai commencé à tout mettre dans mon set. Ok, donc du coup on se retrouve quand je suis avec mon téléphone pour vous montrer un petit peu mon petit master set parce que j'ai commencé à le faire. Donc comme vous voyez, cette première page elle est presque remplie. Ici il me manque que le Pikachu Surfer V. Donc je pense qu'on l'aura la prochaine fois. Ensuite bon là il y a quelques trous mais comme vous voyez il y a toutes les... Excusez-moi, vous voyez pas bien avec le soleil. Là bon il y a quand même quelques trous. Donc ouais ça commence à se remplir. Et là à partir de là on a le petit Hortank. Ici on aura peut-être un Dracaufeu, hein.
Sachant que je serais très content de l'avoir. Et puis après, ça s'arrête là. Donc en fait, il y a encore tout ça à remplir. Et puis jusque-là, jusqu'à Amphinobi, parce que c'est la carte promo. Et en gros, on a jusque-là à remplir. Et du coup, toutes les pages doivent être remplies pour compléter le Master Set de Célébration. Et du coup, si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.